persévère, j'essaie de m'y faire, mais mes poèmes noircissent les pages de mon cahier dans mes colères. En quelques mots, d'une encre épaisse afin d'y marquer quelques vers, afin d'y noter toutes ces choses qui peuvent m'attrister ou me déplaire. À qui la faute? Quand se sentir manipulé devient la source de leurs fantasmes, ont ramassé quelques billets. À quoi pour rester informé quand les infos attirent les faits? Quand les politiques s'accaparent, les médias portent mettre une disquette. Plus le temps pour dialoguer. Contre la faim, contre la peur de se faire bombarder. Embarqué dans l'embargo comme façon de répliquer. Débarquer d'un navire pour espérer enfin être accepté. Pouvoir se relever, pouvoir y croire sans se retourner. Comment pourrait-il s'intégrer si dès le départ on les bloque? On vit vraiment une sale époque. Et ils se prennent pour des gangsters pour étourdir, couper la tête du coq. Je sais bien que c'est pas en prenant la paix sur mon cahier que tout ça va changer. Mais si d'une langue plus affûtée, je peux peut-être convaincre à les amener à changer de mentalité. On est tous acteurs de nos vies, moteurs de nos idées, libres même d'y penser. Isolé du monde, je médite et je tombe quand je panique, mes mots tremblent. D'une instru lourde de sens, j'écris et j'y repense, je fonce, je doute des récompenses. Je suis un citoyen du monde, ensemble on pourrait répondre. Qu'on soit tout stone, je crois pas avoir fait le tour. Je crois pas qu'on soit prêt un jour à découvrir toutes leurs méthodes. Par ici les comptes offshore, chahutés par les ténors. Alors je me décompose comme essoufflé par les ténèbres. Alors qu'on voit nos excès diffusés à la télé, bien trop banalisés, je crois que la terre pleure, faut tempérer. Soudain en train de se dire qu'on s'est peut-être tous fait entuber. Divisé mais décidé à vivre comme on l'a décidé. La bourse pète pourtant tous les scores, les plus gros bouffent les petits dehors. Faire marquer l'histoire à tout prix pour qu'on se souvienne de leur empire comme d'une empreinte préhistorique. Et dire que leurs bénéfices ont souvent ravagé l'Afrique. Ils investissent en masse pour s'échapper d'ici, je trouve ça logique. Et sûrement recommencer, éviter de se rappeler qu'ici on a tout consommé par médiocrité. Je sais bien que c'est pas en prenant la paix sur mon cahier que tout ça va changer. Mais si d'une langue plus affûtée, je peux peut-être convaincre à les amener à changer de mentalité. On est tous acteurs de nos vies, moteurs de nos idées, libres même d'y penser. Isolé du monde, je médite et je tombe quand je panique, mes mots tremblent. D'une instru lourde de sens, j'écris et j'y repense, je fonce, je doute.